Pleure son fils, parti chercher la vie, oh elle prie pour lui, hey, 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 elle pense à lui, plutôt faut qu'il réussisse, oh elle prie pour lui, hey, 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 ça fait longtemps déjà. Yo la famille, c'est comment? C'est votre homme, c'est Vité Irritant, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que mes chers et ton abonnés vont super bien. Moi, c'est la super forme. Voilà, aujourd'hui, il y a un sujet qui me tenait à cœur. Ce n'est pas une campagne de sabotage. Hein. Voilà, tout comme fait Orange, c'est quand même la 10e téléphonie mobile mondiale. Donc, ce n'est pas un petit groupe. Donc, ce n'est pas ça mon objectif. Je suis juste venu faire cette vidéo-là pour vous interpeller un peu, surtout Orange Côte d'Ivoire. Voilà, parce que depuis un certain moment, on constate certains dysfonctionnements que je pensais qu'elle allait se résoudre, mais apparemment, nous sommes en 2019, nous sommes le 9 janvier 2019 aujourd'hui, et puis ça continue. Donc, je m'interroge. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo-là. En fait, les amis, cette vidéo-là, je veux m'adresser à vous et m'adresser aussi à Orange. À vous, pour vous demander, par exemple, est-ce que vous avez constaté que les souscriptions au pass Internet ont radicalement diminué de moitié. Je ne sais pas si vous avez fait le constat avec moi. Je n'ai pas compris pourquoi. Je n'ai pas reçu de message provenant de ce changement-là. Je n'ai rien dit. J'ai pensé que c'était pour une courte période. Mais jusque-là, ça continue. Voilà. Là encore, ce n'est pas bien grave. Là, vraiment, c'est vraiment, vraiment pas bien grave. Chers amis, est-ce que souvent aussi, vous êtes là, vous souscrivez à Internet et puis vous voyez vos données disparaître? Quand je dis disparaître, ça finit d'un coup. Comme quoi, vous n'avez plus de données mobiles. Oh, vous vous rappelez pas d'avoir téléchargé un fichier lourd, d'avoir regardé des vidéos longtemps sur YouTube, ou vous êtes par exemple simplement resté à consulter vos mails et aller sur Facebook, sur Instagram et autres. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Si ça vous est déjà arrivé, vous pouvez m'expliquer ça dans l'espace commentaire. Parce que franchement, j'arrive vraiment, vraiment pas à comprendre ça chez Orange. Voilà. Orange, mine de rien, c'est une compagnie avec laquelle je suis. Ça fait près de, on dira, plus de 10 ans maintenant, je crois. Plus de 10 ans, oui. Que j'ai une puce Orange. Voilà. Et chaque fois que j'ai perdu ma puce Orange, je n'ai pas daigné prendre une autre puce. Bien, bien que j'avais une autre puce d'un autre opérateur mobile qui est Move. J'ai pas, on va dire, daigné prendre parce que j'aimais ce réseau-là. Parce que quand tu es sur Orange, c'est comme si tu étais select. Dans le temps, quand tu avais une puce Orange, c'est comme si tu n'étais pas n'importe qui en fait. Quand tu donnes un numéro Orange à une meuf, elle est en jaillie, comme on dit. Mais depuis un certain moment, depuis ces dernières années-là, franchement, Orange, je ne dirais pas que vous vous foutez de nous, mais j'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas si c'est, je sais pas comme je l'ai titré en de ma vidéo, si c'est une arnaque silencieuse, c'est-à-dire entre les responsables d'Orange et les autorités ivoiriennes, ou soit si c'est un dysfonctionnement technique, parce que j'arrive pas à comprendre. Ce qui m'énerve encore plus, les amis, je ne sais pas si ça vous arrive. Ils ont un truc, une souscription de minutes qu'on appelle Pass Illimix, où on fait le 10, 100, 11, 10. Voilà, là tu souscris et tout ça. Je sais pas. Quand je souscris à ce pass-là, j'appelle les numéros Orange, mais on me coupe mon crédit d'unité. Je sais pas si c'est une dysfonction. C'est ce que je dis toujours, hein. Je sais pas si c'est un dysfonctionnement ou bien c'est fait exprès. Parce que mine de rien, c'est de l'argent qui part. Voilà, moi franchement, si je fais cette vidéo là, c'est parce que quelque part j'en ai marre un peu. Voilà, donc j'aimerais bien que souvent aussi, de la manière que vous nous envoyez des messages pour toutes vos promotions, pour toutes vos nouveautés là, envoyez-nous des messages pour nous expliquer un peu comment les choses se passent. Parce que nous qui sommes ignorants de ce mouvement là, on comprend pas. Voilà, et puis c'est vraiment pas intéressant, c'est fâcheux même, je dirais. Voilà, il y a un autre truc encore, un autre dysfonctionnement encore que je juge dysfonctionnement. Hein. Vous souscrivez à un pass internet. Par exemple, vous avez 2000. Vous souscrivez le pass semaine de 1500. Normalement, il vous reste 500. Vous avez des SMS en sous-compte. Voilà. Vous n'appelez pas de numéro. Vous n'envoyez pas de message à un autre un autre opérateur de téléphonie mobile. Et puis, pendant que vous êtes en train de naviguer et tout ça, vos données ne sont pas encore finies, hein. Et puis vous voyez, les 500 là sont en train de diminuer. Soit souvent vous regardez, il reste 300, après vous regardez, il reste 150, après vous regardez, il reste 25. Je comprends pas. La déduction qu'on fait sur le truc, les 500 restants là, c'est par rapport à quoi? J'arrive vraiment pas à comprendre. Donc, famille,
Aidez-moi à partager cette vidéo-là pour l'envoyer à Orange pour qu'ils puissent nous expliquer. Parce que moi, au moins, j'ai le courage de faire cette vidéo-là pour vous interpeller. Il y a beaucoup de personnes qui sont découragées contre vous. Et je dis contre vous, de vous. Beaucoup, 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 beaucoup. Mais comme c'est psychologique, nous sommes déjà habitués à votre téléphonie mobile. C'est pourquoi on y est encore. Sinon, franchement, il y a beaucoup de personnes qui sont découragées. Ce qu'il faut souligner. Et ça, je reconnais que vous avez beaucoup eu de problèmes. On volait vos câbles téléphoniques, ils ont brûlé, je ne sais pas s'ils ont brûlé, mais il y a eu un de vos centres qui a pris feu, on sait. Mais quand c'est comme ça, il serait plus intéressant de nous expliquer. Parce que moi, j'ai l'impression que vous vous contentez que de vendre. Vous vous contentez de vendre, vous passez pas, vous n'essayez pas d'entretenir vos clients. C'est ici, moi, je me déplace pas, si je n'ai pas le temps de me déplacer pour aller à une agence orange où il y a beaucoup de personnes, il faut faire le rang. Avant de se faire recevoir, je peux pas être au courant. Ça y est, je peux pas. C'est-à-dire, comment je vais dire ça? Comment je vais expliquer ça? On ne peut pas m'expliquer ce qui se passe en fait. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est vraiment, vraiment pas normal. Je me plains en tant que consommateur et ne pensez pas que je suis en train de vous saboter. Moi, perso, comme je dis, je le répète encore, je ne sais pas si c'est une arnaque ou si c'est un dysfonctionnement technique. Si vous voulez. Continuer à avoir beaucoup d'abonnés parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'utilisent plus Orange, ça c'est clair. Voilà, moi jusque-là je suis encore fidèle à Orange, c'est pourquoi je viens faire cette vidéo-là pour vous dire de résoudre le problème. Voilà, il y a beaucoup de vos clients qui boutent parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Voilà, puis ce qui est malheureux avec Orange Côte d'Ivoire, on boute mais c'est comme si vous faisiez la sourde oreille et ça c'est pas normal. Franchement, c'est pas normal. C'est vrai que vous faites beaucoup d'argent, c'est vrai que vous faites énormément d'argent, mais. Il faut aussi prendre le soin de communiquer avec vos clients, de leur expliquer comment les choses fonctionnent. Voilà. Même quand on veut vous appeler, même quand on veut vous appeler, c'est plusieurs minutes avant de vous avoir. C'est-à-dire, si c'est quelqu'un qui est beaucoup busy, il n'a pas le temps, il ne pourra jamais se faire expliquer de tous ces dysfonctionnements-là. Franchement. Donc, je résume. Je dis, tu vas souscrire un pass Internet. Tu ne vas pas l'utiliser comme il se doit et ça finit. Tu vas souscrire un pass internet. Il te restera en crédit peut-être un montant. Tu n'appelles pas un numéro, tu n'envoies ni de message et tu vois ce crédit-là diminuer. Plein, plein de choses. Bref, franchement, donc Orange Côte d'Ivoire, essayez de nous expliquer ça. Voilà, essayez de nous expliquer ça. Et puis il y a un autre constat aussi, c'est avec Orange Money seulement qu'on voit ces arnaques-là. Voilà, c'est-à-dire, ils m'ont arnaqué. Tel montant sur mon compte Orange Money, ils m'ont pris tel montant, mais je n'ai jamais entendu ça sur MTN, je n'ai jamais entendu ça sur Move. Or, quand même, Orange Côte d'Ivoire est la première téléphonie mobile en Côte d'Ivoire ici. Donc, ce n'est pas intéressant. C'est vraiment, vraiment pas intéressant. Moi, je ne suis pas content, c'est pourquoi je fais cette vidéo-là. Voilà, je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos pour me plaindre, mais si je me plains, c'est parce que hier, pas plus tard qu'hier, j'ai été victime de ce même truc-là encore. Et ça, c'est vraiment pas intéressant. C'est vraiment, vraiment pas intéressant. Il faut que ça cesse. Voilà. Même si c'est pas de votre faute, expliquez-nous. Voilà. Envoyez-nous des messages ou faites des émissions pour nous expliquer clairement que c'est pas de votre faute. Voilà comment les choses fonctionnent. Voilà comment les choses fonctionnent. Voilà. Parce que c'est une histoire d'appeler le serveur, on appelle, c'est plusieurs minutes avant de décrocher. Et quand on doit aller se rendre dans une agence Orange Money, on est tellement beaucoup à se plaindre qu'on est beaucoup dans vos locaux. Et c'est tout un rang avant de rentrer. Ça, c'est pas intéressant. Voilà. Franchement, moi, je suis pas content. Je suis vraiment, vraiment pas content. C'est pourquoi je fais cette vidéo-là. Je n'ai même pas un gros boulot. Je n'ai même pas un gros pouvoir d'achat. Mais ma consommation minimum depuis un moment, c'est entre 45 000 et 60 000 de crédit. De crédit. Je les sors d'où? Au moins, si je les dépense et puis je suis satisfait, c'est bon. Mais on va les dépenser. D'abord, les méga, nous qui utilisons beaucoup Internet, très diminué, on n'a rien dit, et puis maintenant vous allez maintenant agir maintenant sur truc ces petits détails que je viens les choses dénoncer dans mon discours tout à l'heure, et ça c'est vraiment pas intéressant. Roche Côte d'Ivoire, moi je vous respecte, je vous admire beaucoup parce que vous faites beaucoup. Voilà, c'est pourquoi si je restais muet tout ce temps, c'est parce que vous faites énormément pour la culture ivoirienne. Et comme moi je suis un promoteur et je suis un mec qui fait la promotion de la culture ivoirienne, surtout africaine, c'est pas je parlais pas, mais c'est parce que ça en est de trop que je tape sur la table et dis qu'il faut que ça. Il faut résoudre ce problème-là. Il y a beaucoup de vos clients qui se plaignent. Il y a beaucoup de vos clients qui boudent. Voilà, c'est vraiment, vraiment pas intéressant. Voilà, les réseaux sociaux, c'est aussi pour ça. On va pas seulement venir parler là de Didier Arafat, de Bordeaux, de Serge Benoît et tout ça. Voilà, si je fais cette vidéo, c'est parce que je suis vraiment pas content de ça.
Donc, résolvez ce problème-là. Voilà, c'était votre humble serviteur et héritier. Moi, je m'appelle Stéphane Ahuy à l'état civil. Voilà, c'est pour plus d'informations si vous voulez. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire. Essayez de régler ce problème-là. Voilà, parce que je suis vraiment, vraiment pas content. Voilà. Donc, famille, partagez la vidéo. Partagez la vidéo au maximum, s'il vous plaît. Merci. Ciao, ciao.